Bien, salut tout le monde, c'est Farage. On se retrouve, mais où se retrouve-t-on? En plein milieu d'une cinématique, parce qu'en fait, je voulais vous commencer l'épisode devant le village qui est au sud de l'Académie des Médailles. Et il y a eu une cinématique, enfin, une cinématique, c'est pas vraiment une cinématique, mais comme je peux pas mettre pause, on reprend au milieu d'un dialogue. Il y a simplement un monstre qui est en train, un monstre qui est en train d'attaquer un vieil homme, voilà. Et Hendrik qui dit cet homme est en danger, this man is in danger. Voilà, c'est tout. Et on se reprend, on se retrouve donc ici. J'ai fait les combats, là, je les ai faits du coup en off en venant jusque-là. Ce qui m'a permis de mettre mes deux persos en hypertonique. Donc on va peut-être pouvoir tester leur compétence double lame de dragon pour voir ce que ça fait. We must go to his aid. Non, non, on va juste passer à côté, pourquoi? Nani? Oh non, Sylvando, mais t'es sérieux, mon gars? Oh no, you don't, honey. Not unless you want to carry those claws. Don't say I didn't warn you. Doesn't even begin to describe it. You were ferocious. Oh non, mais arrêtez, quoi. Can it be? Can it truly? 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 It is. I think it really is. Darling, it's so wonderful to see you. You were lost to me? You two are acquainted? And what is it that you do exactly? Oh, come now. Isn't it obvious? We're fighting an epic battle to bring back something the world has. Ah, j'avoue que là tu souris hein, quand tu vois des guignols comme ça, mais bon. We're on a quest to bring sunshine and laughter back to every corner of the... My little parade has picked up quite a cavalcade of warriors for wondrousness. Aren't they just so much... But never mind that now. I can't believe you're alive. It's a miracle. I thought I'd never see you again. Excuse me? Oh, honey, I'm so sorry I forgot all about you. Are you okay? You're not hurt, are you? No, no, I am not. Thanks to you. My name is Da. I come from Phenomnon in the south. And if it were not for your help, I would not be returning. Oh, you're heading home. Then we better go with you. Can't have you getting attacked again now. Listen, darling, you and me have got a lot to talk about. So what do you say you join the parade for a little while, huh? Come. You know you want to. Ah, est-ce que j'ai le choix, vraiment? Oh, yay! I'm so excited! Okay, time for you to take your first steps as a soldier of the smile-spreading... Non, 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 non! Let's make our newest recruit feel right at home. He's an old friend of mine. Lean on, darling! And don't let me cut you frowning. You're at the head of the world's premier club. No, me no. Right, let's get out there and make the world smile. Oh, please. Aïe aïe aïe, voilà, si jamais elle venait être séparée de présent pour une autre, on se retrouve ici, d'accord? Non mais, non mais, non mais, non mais... Non non, mais prends pas la pause, on... mais... Nye! Nye! Je crois que j'ai trouvé ma miniature. Nye!
Fine, ok. Ok, ok. L'Yggdrasil a été détruit, l'arbre source de toute vie a été détruit, le monde est en ruine. On a un démon super puissant qui nous a mis de la pâtée avant d'avoir les pouvoirs de l'Yggdrasil, qui maintenant est encore plus puissant parce qu'il a les pouvoirs de l'Yggdrasil. L'épée ultime a été détruite, j'ai perdu mes pouvoirs d'éclairer. Nautica a été ravagée, tout le monde est mort. Tout va bien, allez, dansons. Ouais, tout va bien, tout va bien. Oh pitié. Et maintenant, attention, le final. Oh non. Mais c'est quoi? Bon, au moins ça marche, ça fait sourire. C'est clair que ça fait sourire. Mais quand même, quoi. Et pourquoi Hendrickson, il a pas le droit au costume? And here we are at our destination. The beautiful, bustling tourist town of... Not here, too. The whole world is just so... Thank you for saving me. I must go now. I wonder what can have made him venture so far from home in the first place. Might it have something... Sounds like a job for Sylph's detective agency. Leave this to me. Agents of happiness, soldiers of smile, go spread some special parade cheer! Let's go to work! Why can I not shake the feeling that Silvando and I have met somewhere before? Bah ouais, c'est... Oui, moi aussi je veux connaître son passé à Silvando. Bon, par contre, non, mais c'est bon, non, stop, on arrête avec ça. Costume à plumes, c'est bon, on arrête. En plus, c'est un costume qui me fait danser, c'est bon, stop. Je me sens mieux, là, d'un coup. Je me sens bien mieux. En plus, il fait quoi? Ah oui, il augmente beaucoup le charme, ouais, d'accord. Je rêve où le costume à plumes a la même défense. Oh, mon Dieu. Bref, je me sens mieux, d'un coup. Je me sens beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des quêtes? Oui, il y a une quête ici. Les habitants de ce village sont terrorisés. Quelque chose de sombre et compliqué s'est déroulé ici. Il a accompagné le seigneur chez lui. Est-ce que vous croyez que c'est un rapport avec la fresque? Peut-être qu'on n'a pas totalement éliminé le mob, ou peut-être qu'il a été ressuscité. Je ne sais pas. On va voir. Au niveau de l'équipement, je suis pas sûr que je puisse acheter des trucs, mais on va quand même regarder. Épée ardente, lame de l'aurore. C'est joli comme nom, lame de l'aurore, mais c'est une épée à... C'est une épée à une main, hein, ouais. C'est une épée à une main, donc alors ouais. Hop. Oui, tu vas mettre... Mets ça dans le sac, voilà. Super. Clé mordacie, on s'en fiche. Sabre des limbes. Et 15 000. Ouais, 15 000 certes, mais à la limite, je me demande si je préférerais pas attendre d'avoir Silvando dans l'équipe pour voir ce que je peux lui équiper. Parce que sinon, je vais plus avoir d'argent. Ok, et toi, éventuellement, en termes d'armure, qu'est-ce que tu vends? Bouclier, on s'en fiche. Casque de bronze. Le home du guerrier. Ouais. Et la cuirasse. Oh, la cuirasse du dragon. Ça, c'est stylé comme. 12 000, mais c'est pareil. Protection impressionnante contre la glace et le feu. À la limite, on va la. Si, je vais quand même l'acheter pour Hendrick.
je vais quand même l'acheter parce que bon. Et du coup, Hendrik, tu vas vendre. Non, tu vas. On va rien vendre. Je vais la garder. Peut-être que si le bandeau peut l'équiper. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, monsieur, j'imagine que tu n'es pas expert en cuisine. Je suis cuisinier. Je parcours le monde pour découvrir des richesses gastronomiques. Je suis venu pour le céleriser. Ok. À mon arrivée, les habitants m'ont pris pour des monstres et ont pris le contrôle de la grotte où ils les extraient. Plus personne n'ose y descendre. Bah oui, moi je veux bien. Oui. 10 minerais de mithril. Ah ouais, clairement. Le sel irisé est extrait dans la grotte à Delphonte et dans la lagune de Gondolia. Ah ouais, mais. Pff, ouais. Bon, bah écoute, ouais, à l'occasion. À l'occasion, ouais, j'irai. Mais pour l'instant, je peux pas y aller là-bas, donc. Mais à l'occasion. Si tu dirais il est parti raccompagné d'Ab chez lui, j'ai le sentiment qu'il voulait dire quelque chose, tu vois. Mais c'est où chez lui? Ah, maison de dame, ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Da, you are okay. You are not hurt. Oh, what a relief. I was fearing the worst for you. Your boy is missing. Oh. Ugh. Where that selfish child chooses to go it. C'est quoi ton problème? You must forgive him. His wife died recently, you know. And now his son is gone missing. Do you know of the monster Avarith? She appeared in the village with her foul friends soon after Yggdrasil fell. We were paralyzed with fear and could not run away. Give me your valuables, she said. Tell me what is most precious to you. People were so scared. They obeyed her without thinking. But the wicked creature lied to us. She did not protect the things we gave to her. Oh, that's just awful. Oh, if there's one thing I hate, it's dirty, rotten liars. Really? But Avarith is very strong. Oh, it'll take more than a common thief to stop me. I won't let you down. You know what they say? A knight's word is his bond. A knight? Avarith went south with everything she stole. She has a lair there, I think. Then let's get after her. We've got an evildoer to punish. Ok, mais Sylvando, tu fais toujours pas partie de l'équipe. Hein. Alors, vers le sud, admettons. Par contre, je passerai bien une nuit à l'auberge. Histoire de me remettre d'aplomb. Toujours gratuit la nuit ici. Bonjour, bonjour. Au moins que tu tiens à te faire piquer ce que tu as de plus précieux, je te conseille de ne pas rester ici. Ah. Ok. Mais j'aimerais quand même vraiment dormir en fait. Alors, combien? 36 pièces d'or, ça va. Ça va, ça va. On a connu pire. N'empêche, je crois que c'est le premier RPG où je suis vraiment à chaque fois en manque d'argent. D'habitude, j'ai jamais trop de problèmes, mais là, à chaque fois, je manque d'argent. Bon, l'explication, elle est quand même simple. Hein. C'est juste que je fais pas les combats. Mais en même temps, si je fais déjà que le jeu, il est pas trop dur, si en plus je faisais tous les combats. Alors, au sud. Quelle est partie la madame? La madame monstre. Grotte du promontoire. Et... Grotte du promontoire? Il y avait ça avant? Bah... Je sais pas. Oh mais non, mais arrêtez avec ça! C'est ça? Vous me suivez, ok. Ok. Sylvando, je sais pas si. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée, mais. Oh, bonjour! Je sais pas à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée, tout ça, mais bon. Gardez Gantua sombre. Très bien. Et en plus, il est vraiment. Bon.
Double lame du dragon. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Et moi, je vais faire une attaque du faucon. Bon, ça va, ça va, ça va. On se calme. Par contre, j'ai pas mal déjà... Tu attaques combien de fois, toi? Je pars pas mal d'attaques, mine de rien, hein, avec le bouclier d'Héliodore. Il est vraiment pas mal, ce bouclier. 1800, pas mal, ouais. Ouais, 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 ça vaut le coup. Désolé pour avoir attaqué 200 attaques préventives sur l'ennemi. Ok. Bon, mais on continue. Ah, mais si, j'avais été dans la grotte du promontoire, sauf que il s'y passait rien. J'avais dit qu'il allait sûrement se passer quelque chose que, dans l'histoire, que ça allait se débloquer. Si, 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 on y avait été, je m'en souviens. Wow! Your parade looks fun! Where are you going? Hi there, little one! We're just off to hunt down the horrible nut. It's your father named Dar, by age. So you were not abducted. What are you doing in such a dangerous place? My father does not care for me. He cares for my mother's necklace more than anything else. He told the monsters. I thought he would say I was the most precious thing to him. It made me very sad. So I decided to follow the monster and get the necklace back for him. But then I strayed too far from the village. What your father said was upsetting, I am sure. But this is no place for a child. No! If you are going after the monster, I am coming with you. Oh, don't be such a spoilsport, Hendrik. We'll look after the little darling. And besides, he'll be safer with us. Very well. But the boy is your responsibility. Thank you! Thank you! I will be useful to you, I promise. You heard him, everybody. Let's go teach that dirty. Ouais, par contre, la discrétion, c'est pas ton fort, hein. Allez, allons-y. Ouais, on était déjà rentré dans cette grotte. Je crois que c'était une grande grotte, une grande zone avec avec rien en fait. Et je m'étais dit qu'il allait sûrement se passer quelque chose, soit plus tard dans le jeu, soit pour une quête annexe. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On y avait été. Now this is a surprise. Not many humans wander in here, devil. Avarice, you fiend. You are going to give back what you've taken and let all the people of the village go. So that is why you are here. Still, I suppose you have shown a lot of courage coming here. It's not going to happen for free. You're going to have to... How about... Your most valued possession. That seems like a fair trade, wouldn't you say? No. Wait. If you wish to make a deal, fiend, you must make it with me. I have something for you. Something soft and... Oh, what is it? What is it? It sounds amazing. With pleasure. I do. Let me see, let me see. Ugh, what is that awful smell? You! Do you think this is some kind? Oh, don't you like it, honey? I chose it especially for you!
all this, Avarice will not be mocked by a silly dumb cup. Maybe this will teach you a lesson. Oh! Don't bother begging for mercy. Bah c'est pas grave, je comptais te faire des compétences au corps à corps, donc c'est pas grave. Allez, à nous, Avarice, attaque du faucon, à seuil. Pas mal, pas mal du tout même. Ouais, je peux pas lancer de sort. Donc bah écoute. Ça va être embêtant par contre le fait de pas pouvoir lancer le sort. Ah, un point de dégâts. T'es sérieux? Aïe. Bon, là on va avoir un problème. Tant que je peux pas lancer de sort, on va avoir un problème. Ah, merci. Parfait. Ok, tu peux lancer des sorts, très bien, alors tu vas te soigner mon grand. Par contre pourquoi je lui fais qu'un point de dégâts à chaque fois? C'est... Pourquoi? Alors la défense revient à la normale, mais il en revient. Ok. Après tout, attendez. Ouais. Et après tout, c'est un dragon, donc si je fais une lame de dragon. Ouais. C'est quoi? C'est parce que j'ai une épée divine? C'est quoi le problème là? Je comprends pas c'est quoi le problème. Ah! Là c'est mieux déjà! Il a une de ses esquives, ce mob. Aïe 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 aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal tout ça. Oh mais non, c'est quoi cette esquive qu'il a? Ouais, j'aurais peut-être dû en faire quelques-uns des combats, hein, c'est tandis. Bon, de toute façon, je ne peux pas me soigner, alors.
Ouais, si tu veux, mais là pour l'instant on va surtout se soigner mon grand. Allez. Ok, alors là une double lame de dragon, ça me semble tout indiqué sur un dragon. Oh mais vous êtes sérieux? C'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts? Sans déconner! En plus la musique n'est pas sérieuse, enfin voilà, ce combat est complètement what the fuck. Ces dégâts. Bon, je comprends pas. Je veux bien qu'il ait une méga protection, mais quand même quoi. Mais quand même. Bah écoute, tu vas soigner, hein. Allez, c'est reparti. Ça, j'ai pas fait gaffe, mais ça me baisse mon attaque ou ma défense magique. Moi j'ai un doute, c'est peut-être pour ça en fait que je fais des dégâts ridicules. C'est peut-être pour ça en fait. Alors, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux faire ça à la limite. Ouais, bon, c'est pas brillant, hein. C'est quoi cette esquive qu'il a? Aïe. Allez! Tu vas finir par mourir! C'est pas le fait d'avoir Anathem, parce que j'ai quand même fait les mêmes dégâts là. Bon, bah alors j'ai jugé, bah y'a un truc que je saisis pas là. Y'a un truc clairement que je saisis pas. La résistance au sort, ouais c'est bien la résistance au sort. Y'a clairement un truc que je saisis pas. Bon, c'est pas grave, allez, double lame du dragon. Oh, ces dégâts ridicules quoi. Pourquoi mon perso fait si peu de dégâts? C'est quoi le souci? Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Ah.
Bon, bah on va y aller petit à petit, on va finir par y arriver. N'empêche, c'est vrai que je gère mal mon stock d'objets. Il faudrait que je gère un peu mieux mon stock d'objets. Parce que vous voyez, dès que j'ai plus de magicien, là ça y est, c'est la galère. Quoi. Bon, et tu meurs des fois sinon? Ouais. Voilà! Ah bah dis donc, mon vieux! 9700, ouais. Et personne n'a pris un niveau, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? What you get for being a nasty greed. Everybody, are you okay? C'était même pas verrouillé. We are fine, thanks to you, our brave little son. You saved us. Fair maiden, a smile will more than... Here it is! My mother's necklace! Oh... No! It is broken! I cannot take this... Oh, of course it won't. Didn't your daddy ever tell you it's the thought that counts? It could be smashed to pieces and you'd still be his. All right, time to take Son and the others back to the village in style. Come, darlings, your parade away. You take your time, honey. We'll be having all kinds of fun. Bon, et je peux pas prendre un peu d'or là? Très sincèrement, non? Un petit peu d'or pour renflouer mes caisses à moi? Non? Les secrets des eaux, ouais. Et je suis pas prêt à lire ça. Ok. Bon, bah tant pis. J'ai pas le droit de prendre l'or. Alors retournons au village pour festoyer, pour que Sylvando nous dise bon, bah allez, c'est l'heure de rejoindre l'équipe. Blablabla. D'ailleurs, attendez, je dis retournons. Mais là, pour le coup, je peux y aller. Voilà. Je peux y aller en me téléportant. Ce sera plus rapide et plus facile. Surtout qu'il faut que j'aille faire un tour à l'auberge maintenant. Il faut clairement que j'aille me reposer. Là, je suis en train de réfléchir du coup à mon équipe future. Parce que mine de rien, je me dis que je pourrais peut-être remplacer Jeanne par Henrik. Je sais pas. Messieurs, dames, c'est la fête! C'est la fête! C'est la fête! Service garanti avec... Alors, il faut retourner voir... faut retourner voir le padre. Ok, cause mon père sera très fâché, mais non, t'inquiète pas. Allez, va tout lui raconter, on va voir.
Hello, Father. I brought Mother's necklace back from the lair of the beast for you. But... You did what? Foolish child! You could have been killed. And then where would I be? Without... But you said that Mother's necklace was your most treasured... I said it, but I did not mean it. Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. Really? Évidemment. I thought you did not care about me. To think it was all but a misunderstanding. If only he and his father had simply been honest with one. Yes, if only. I'll see you both outside, okay? Il y a un problème avec le père de, avec son père à lui, à Sylvando. Je sais pas ce que c'est, mais. These are my new friends. They are the ones who rescued him. I cannot thank you enough. You are true hero. The first time we met, when you rescued me, I was searching for Song. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. Where is my friend with the feathers? I wanted to say something. Sylvando left for us suddenly. Perhaps we should go and look for him. Je suis d'accord. Où est-ce qu'il est allé, Sylvando? Je suis heureux de se réconcilier, mais je me sens tout ému. Tu dis, c'est Sylvando. Alors, tu l'as vu monter l'escalier. Il est parti du côté de la... pas la fresque, mais... au sommet de la colline, là, j'imagine. Là où il y a le point de vue, le petit monticule. Ouais, voilà. He and his father had simply been honest with... Ah, you scared me! How long have you been standing there? Ah, never mind. It... But there are some who will never be reunited with their loved ones. Can I ask you something? Mortegor, j'oublie à chaque fois son nom. Powerful, right? Powerful enough to destroy our... You've seen that power for yourself, but you still Évidemment. Have fun. You really are a hero. You know, I thought it was enough. Traveling the world, trying to put... But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could... What I'm saying is... I have to leave my beloved parade and come with you. But there's something I want you to help me with first. It's all well and good me going and getting my head squished by Mordegon. So we have to leave them somewhere safe, with somebody who can look after them. Now, well, there's no good way of saying this. I'm petrified of seeing him. So you have to come with me. Allez, retournons voir ton père. Oh, thank you. I knew you'd say yes. Okay, I'm going to... Retournons voir ton père, pas de souci. Je suis bien curieux, et je pense que vous aussi... de connaître l'histoire de Sylvando. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend bien que c'était un chevalier avant, mais... Mais qu'est-ce qui a pu se passer, quoi? Hop, ah, zut. Allez, retournons... Ça fait un bon épisode, mais on va continuer encore un tout petit peu. Retournons à l'entrée du village. Il
Il faut que je te recrute, Sylvando, encore. Pour justement t'avoir dans... Enfin, pour pouvoir lui acheter du stuff. Alors, mais par contre, comment on va aller à Porto Valor vu que la route est fermée? My parading days are over. No! But do not fear. It will only be for a little. We understand, Sylv. That Mordigan stole. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylv. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoil sport what's what, it's Exactly. We'll never get those smiles back if I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you. Puerto Valor? Wait. Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's. So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such a sweet, simple boy. Qu'est-ce qui s'est passé? Champions of Cheer, let's go show Puerto Valor. Ouais, comme ça on ira au casino. Pourquoi il a fait cette tête, Hendrik? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. I cannot fathom it. The boy is unrecognizable, and he has abandoned the name his father gave him. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Sylvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return until now. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo, and very well. It is not far from here to Puerto Valor. Mais la route est bouchée, non? Take us north. Ah, je comprends plus rien. Ils ont dû déboucher la route entre temps, c'est ça? Oui, il faut aller à Costa Valor, donc en gros, faut refaire demi-tour. Bon, écoutez. On verra ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en off. Je vais aller jusqu'à Costa Valor. Comme ça, on s'évite la route dans le prochain épisode. Et puis, ben, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve dans l'espace commentaire. Allez, salut tout le monde.